Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Adeline, créatrice de Safari sur mesure en Afrique. Je suis également guide naturaliste diplômée d'Afrique du Sud et spécialiste de la grande faune africaine. Sur cette chaîne, je vous invite à en découvrir un tout petit peu plus sur l'activité de Safari naturaliste que je propose dans plusieurs pays en Afrique, sur les animaux sauvages et sur différents pays d'Afrique. Bonne découverte! Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, la dernière, celle que j'ai déjà tournée mais qui va sortir pour vous quand vous allez regarder cette vidéo de la semaine dernière, c'est le guidage je crois, ne me prenez pas comme guide et je vous dis pourquoi. La fois d'avant je vous avais déjà fait une vidéo avec des souvenirs de la brousse, avec l'histoire du ratel, donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire une nouvelle petite vidéo anecdote de la brousse, et c'est une super jolie histoire qui m'est arrivée au Kenya dans le Maasai Mara. C'était la toute première fois où j'ai eu la chance immense d'être invitée dans le Maasai Mara, donc j'y avais passé je crois deux nuits pour voir deux camps différents, et la même compagnie qui m'avait invitée à dormir dans ces hébergements avait également une compagnie pour faire du safari en montgolfière. Si c'est quelque chose qui vous parle pas, je crois avoir fait déjà une vidéo où j'explique un petit peu tout le concept de cette excursion qui reste assez coûteuse puisque ça coûte 600$ par personne, mais c'est vraiment une activité exceptionnelle et mémorable et quelque chose, voilà, si vous faites déjà ce voyage pour marquer le coup, j'ai beaucoup de voyages de noces ou des personnes qui fêtent 10, 20, 30 ans de mariage. Si vous avez envie de marquer le coup, c'est vraiment super. Et donc, j'ai eu la grande chance de faire mon premier vol en montgolfière dans le Maasai Mara quand même. Que demander de plus? Et alors voilà comment ça s'est passé. Ce qui est génial, c'est que bah voilà, comme vous le ferez si jamais vous décidez de le faire lors de votre safari, on est venu me chercher à 4h du matin dans mon hébergement, et puis on a fait à peu près 30-45 minutes de route pour arriver sur le site de départ de la montgolfière. Et là, on voit le personnel, les gens qui s'occupent de ça, qui savent faire, et on voit vraiment juste au moment où il y a les premières lueurs du jour, les premiers rayons du soleil qui commencent à pointer au niveau du ciel, on voit en même temps les gens en train de gonfler et de monter la montgolfière avec le feu à l'intérieur. C'est vraiment magique, hein. En mots comme ça, ça donne, je pense, pas grand chose, mais vraiment, quand on est là, on est comme des gamins. Bon, de toute façon, moi, je suis tout le temps comme une gamine quand je suis en Afrique, mais là, vraiment, déjà au milieu des animaux, on est tous un peu pareil quand même, on redevient tous un peu des grands enfants, mais c'est vraiment magique, quoi. Il y a vraiment un côté féerique, complètement magique. On voit cette boule de feu là, et puis la montgolfière qui commence à prendre forme, le ballon qui commence à monter. Bref, on embarque, on est plusieurs dans la nacelle, et puis commence le vol. Donc la montgolfière prend un petit peu de hauteur, et puis voilà, le vol est comme ça, assez chouette, avec un petit peu, donc ça dure à peu près une heure, magnifique, on voit plein d'animaux en dessous, des troupeaux de zèbres, des troupeaux de gazelles, des éléphants, des gnous, on sait plus trop où regarder, et puis le vent commence à se lever un petit peu, donc le pilote décide de pas tarder à atterrir au bout d'une heure. Le concept étant, on atterrit au milieu de la savane et là, on nous attend avec un petit déjeuner pantagruélique magnifique 5 étoiles, avec des gens qui nous servent des nappes blanches partout, du champagne, etc. Et donc voilà, comme le vent commençait à se lever et que ça peut être un petit peu gênant pour la montgolfière, le pilote atterrit, donc pas très loin du site de toute façon prévu pour le petit déjeuner. Et là, dans les derniers moments de l'atterrissage, en fait, il y a eu une bourrasque, un mouvement avec le vent. Et du coup, malheureusement, la nacelle s'est posée et en se posant assez précipitamment, elle a séparé un petit bébé zèbre de sa maman. Et en fait, j'ai été moi la première à avoir la chance, je le dis maintenant, de sortir de la nacelle en fait. Et ce petit loup là, il était vraiment juste devant moi, et pour avoir après discuté avec des personnes qui sont spécialistes en éthologie, et ben comme il avait perdu sa maman des yeux et qu'elle était finalement, elle a eu peur elle de l'atterrissage, donc elle est partie beaucoup plus loin, et lui il est resté là, il était complètement un petit peu sidéré et puis il savait pas quoi faire. Étant moi la première personne à être sortie de la nacelle, en fait il s'est naturellement et spontanément rapproché de moi.
C'était vraiment super joli à voir et j'ai eu la chance que le pilote de la montgolfière, en voyant ça, a fait des photos. Donc je vous mettrai les photos de cette sublime rencontre. Il n'était pas peureux. Et bizarrement, j'ai commencé à lui parler tout doucement. Je me suis agenouillée. J'étais devant lui, je me suis agenouillée. J'ai commencé à lui parler, à lui dire que ça allait aller, que sa maman était pas loin. Voilà, en fait, tout simplement, un petit peu naturellement. Et on voyait déjà. Alors, on entendait la maman au loin qui l'appelait. Elle l'appelait, elle l'appelait, mais elle n'osait évidemment pas se rapprocher parce qu'on était plusieurs humains à être là. Et évidemment, ces animaux-là ont instinctivement la peur des humains. Mais on entendait qu'elle l'appelait et on commençait à voir quand même des hyènes gentiment tourner autour parce que ce sont des animaux très très intelligents. Les hyènes, elles ont très très vite capté qu'il y avait un petit qui était en mauvaise posture et potentiellement il y avait peut-être moyen de se le mettre sous la dent. Et donc j'ai commencé à marcher un peu plus loin, à m'éloigner du groupe de personnes avec qui j'étais, avec qui j'avais fait la montgolfière et le petit m'a suivi. Donc en fait, j'ai commencé à marcher, marcher, marcher en direction de la maman, tout simplement. Il était à côté de moi, tranquillement. Il n'avait pas l'air vraiment affolé, hein. Il était un peu sidéré, c'est vrai, un peu, voilà, un peu comme ça, interrogatif, mais pas affolé dans le sens à pas savoir où aller, etc. Finalement, c'est comme si, bon, bah, il s'est dit, bah, j'ai pas trop le choix là, je vais la suivre celle-là. On va voir où est-ce qu'elle m'emmène. Et puis m'a suivi, et moi j'ai évidemment marché dans la direction de la maman qui était en train de l'appeler, de l'appeler, de l'appeler. Et comme elle a vu qu'il n'y avait que moi qui me dirigeais, elle a commencé aussi à se rapprocher. Et voilà, et petit à petit, on a quand même réussi en faisant ça à faire en sorte que les deux se retrouvent assez rapidement. Et puis il a vite retrouvé sa maman et ils sont partis dans la savane. C'était vraiment un moment, je sais même pas comment, j'ai pas les mots, mais je dirais c'était un moment béni des dieux. C'est pour les, voilà, pour des personnes comme moi qui sont complètement, absolument fans des animaux sauvages. C'est des moments, rien que pour vivre ce type de moment-là, c'est pour ça qu'on fait ce métier et c'est pour ça qu'on va vivre en Afrique. Donc voilà, c'était vraiment un moment sublime que j'oublierai jamais et qui a été immortalisé justement par ces deux photos que je vous mettrai donc à la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que cette petite nouvelle anecdote de mes petites escapades en brousse vous aura plu. N'hésitez pas à me faire comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.